His Excellency Dangote, the Prime Minister of Cameroon, who is on a three-day visit. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. En seul titre ce soir, le Premier ministre poursuit sa visite dans le Nord-Ouest ce vendredi. Joseph Dangote s'est entretenu pendant plus d'une heure avec le président national du Social-Démocratique Front, Ni John Fondi, qui selon le poste national a été proposé par ses militants comme médiateur à la crise. Nous précisons tout de même que ce point n'apparaît pas dans le communiqué rendu public par le ministre du Shadow cabinet du SDF. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Peter Saussier. Bonsoir. Good evening, Leila. Good evening to you, televiewers. Thanks for joining us. You're watching the primetime Baringua newscast on STV. We kickstart right away with our lead story of the night. The Social Democratic Front, which is Cameroon's frontline opposition party, has today tabled a number of proposals to the Prime Minister Chief Dr. Joseph Dangote, aimed at ending the crisis in the northwest and southwest regions of the country. While maintaining her stand on federalism, the party is planning a boycott of the regional elections if government remains lukewarm towards the crisis. Gajo reports. His Excellency Dangote, the Prime Minister of Cameroon, who is on a three-day visit to the northwest region to mediate between the northwest population and the president, has today met with leaders of the Social Democratic Front Party at Ayaba Hotel. The SDF continues to show solidarity to its people, reason why they did not fail to table these demands to the Prime Minister as a huge step to solving the Anglophone crisis. We are asking for an immediate bilateral ceasefire. We are asking for an immediate release of all political prisoners. It's we are asking that a mediator be put into place that will go between the warring parties, the Ambazonian forces, and the government to negotiate. The party has offered the services of our national chairman here present, Ni John Fondi. SDF promises to boycott upcoming regional elections if war persists. We cannot accept that elections take place northwest and southwest. The SDF says the party has always stood for federation. SDF has always stood for a federation. It looks like we may have to, it will either be a federation or a confederation, but that's to be discussed. However, the Prime Minister has already assured the Northwest population that the President is willing to entertain any discussion, excluding a demand for cessation. Obviously, one thing we didn't say was that at the end, now, at the two of the Prime Minister's working visit in Bamenda was overshadowed by an abrupt ghost town which engulfed several parts of Bamenda, chief town of the region. Economic activities were paralyzed, movement of persons and goods timid, while security was reinforced, especially at Ayaba Hotel where the Prime Minister was lodging. Details in the following report. Inhabitants of Bamenda have remained indoors today, owing to the Prime Minister's visit to the region. Main streets have been deserted, shops locked and businesses closed down, leaving few persons on the main roads and fewer taxis plying the streets. The visit of the Prime Minister took inhabitants of Bamenda by surprise and led to a quick communique on social media in the evening, pronouncing an immediate ghost town break in Friday. Many taxis and persons have avoided Ayaba Street, assuming that the military forces can cause a scene, a situation that looks rather unfortunate as the military only stands guard to the dignitaries Bamenda would be hosting for some days. The people of the town do not seem to realize how the constant shutdown of activities is crippling every sector in the region, especially the economic sector. Many a time, traders of perishable goods wake up to find their goods already bad. Education has also been left on a low key, so much such that one cannot identify a student in Bamenda any longer. Kidnapping is also on the increase, while poverty remains the order of the day. However, the inhabitants of Bamenda keep waiting to see the outcome of the Prime Minister's visit. Worthy of note is the fact that President Biya has promised to dialogue with the people of the Anglophone regions.
Et puis la Ligue des femmes pour la paix et la liberté s'associe aux chefs traditionnels et autorités religieuses du département de la Meunois pour une résolution pacifique de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Limitrophes aux régions en proie aux troubles sociopolitiques, notamment le sud-ouest, plusieurs localités de ce département sont au quotidien victimes des exactions des bandes armées, ce qui n'est pas sans conséquences socio-psychosociales sur les populations. Alors que la crise sociopolitique qui met en mal la paix et la stabilité dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun perdu depuis bientôt 3 ans, la région de l'ouest en général et particulièrement le département de la Meunois n'a pas cessé d'enregistrer des dommages portés au compte de cette menace sécuritaire. Vous avez vu comme moi, il y a quelques jours, on montrait encore dans un village, je pense que c'est Pousseau-les-Lins, que la dernière leçon dans un établissement scolaire a eu lieu en septembre. Ça veut dire que l'école n'existe plus. Où sont partis ces enfants qui étaient dans ces écoles-là? Donc nous avons noté qu'au niveau de la Meunois, notamment dans certains villages limitrophes, des zones touchées, il y a paralysie du système éducatif. À l'effet d'explorer les pistes pouvant aider à apporter une solution pacifique et durable à ce malaise, la Ligue des femmes pour la paix et la liberté Wilf Cameroun vient de réunir dans la ville de Tian les leaders traditionnels, religieux et forces vives du département de la Meunois en vue d'une synergie d'action face à cette menace. Que ce projet est très bien et que ce projet est venu à bon bout. Pour nous reconforter. Pourquoi? Parce que ce que nous vivons sur le terrain est étrange. Le département de la Meunois enregistre depuis le début de cette crise des dizaines de cas d'enlèvement, des maisons d'habitation incendiées, le pillage des biens matériels, en plus des déplacés internes, ainsi que des assassinats orchestrés par ces hommes sans foi ni loi, notamment dans la localité de Fongotongo, Sanchou, Fonson-le-Lem, pour ne citer que celle-ci. La rencontre entre Wilf Cameroun et les leaders du département de la Meunois se veut de ce fait un début de solution face à cette triste réalité. The senior divisional officer from Meme Division has supervised the distribution of items to some internally displaced persons living in Kumba. It was an opportunity for the SDO Chamberlain Tuandong to warn against impersonation by some unscrupulous individuals who use such occasions to extort goods from IDPs. Details in the following report. Thousands of internally displaced persons, IDPs, within Meme Division have received material assistance such as mattresses, a bag of rice, vegetable oil, toilet rolls, blankets, and many more from the government. The distribution of items took place yesterday, Tuesday, May 7th, at the Kumba Amusement Park in the presence of the senior divisional officer for Meme Division, Chamberlain Tuandong. Addressing the crowd, Meme SCO appreciated the massive turnout of the population. He told them that the head of state is aware of the difficult moment they are going through. That is why he has sent them this gift. Small support to the affected persons. You know that is the father of the nation. Is that very soon we are going to be safe in the Meme Division. He further noted that he is working with the forces of law and order to fish out all inhabitants we impersonate as IDPs to collect these items. But let me tell you that I am working very hard with the forces of law and order, with the whole population, all of you, to put aside all those who can behave so, because all those gifts are for the affected population. We know them. We know them. And you can be sure that we have registered those who are going to receive today, this gift today, and we are going to follow ourselves to be sure that civil servants are not concerned in this activity. Beneficiaries on their part expressed great joy and satisfaction for the gift they received. The humanitarian aid is among those the government has extended to IDPs in this part of the region.
lutte contre le désordre urbain, l'École internationale des forces de sécurité et les autorités de la ville de Douala ont organisé un séminaire ici même dans la capitale économique du Cameroun, un séminaire qui s'est achevé hier. Participants et experts ont tablé sur les causes, conséquences et solutions de l'insécurité due au désordre urbain. Au terme du dit séminaire, des stratégies ont été pensées à suivre dans les prochains jours leur implémentation. Olivier Bouzique. Les experts se sont accordés sur un point. L'insécurité croissante dans la ville de Douala est en partie due au sempiternel problème de planification urbaine. Il a donc ainsi été accompli la population dans une synergie d'action avec l'administration et les forces de sécurité doit participer à la lutte contre le désordre urbain et à la sécurité urbaine. Entre les résolutions adoptées au terme du séminaire et la pratique sur le terrain, des dispositions particulières ont également été prises pour qu'il n'y ait aucune distance. Oui, plusieurs stratégies sont mises en branle. L'expérience des comités de vigilance est à accroître. Plusieurs autres stratégies qui font appel à la technologie avec le système de vidéosurveillance, à la formation des agents de sécurité, aussi bien de la gendarmerie que des autres forces de sécurité, cette stratégie a été définie et en renforçant l'éthique et la déontologie par la lutte contre les comportements déviants et également en empêchant la prévarication et en réduisant les délais d'intervention pour que le sentiment de sécurité grandisse auprès des populations. Les travaux ont duré 3 jours et devront en outre permettre aux autorités de la ville de Douala de marquer un pas décisif non seulement vers l'application de la théorie d'insécurité zéro, mais aussi d'éradiquer le désordre urbain causé par l'incivisme et la surpopulation, un problème des villes africaines en général. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'Habitat, 40% de la population africaine est urbaine. L'organisme pense que d'ici 2030, ce taux pourra atteindre 60% et en 2050, l'Afrique aura une population urbaine d'environ 1 milliard d'habitants. Et puis la communauté urbaine de Yaoundé a tenu sa session du conseil de communauté consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif de son délégué du gouvernement et du compte de gestion du receveur municipal et du comptable matière. Que peut-on retenir à l'issue de ces travaux? Mireille Siabdié répond à cette question. Le compte administratif 2018 de la ville de Yaoundé présente un excédent des recettes sur les dépenses de 2,8 milliards de francs CFA. 14,2 milliards, c'est le montant engagé par la communauté urbaine pour le compte administratif 2018. Ce compte s'adosse sur un budget initial de 26 milliards. Il est en augmentation d'environ 2 milliards de francs CFA, a souligné le délégué du gouvernement près de la communauté urbaine de Yaoundé. Cette enveloppe aura servi à gérer un programme préalablement bien défini. Un enfant particulier est mis à la sécurité et à la prévention des inondations par l'assainissement des zones inondables. Nous avons également poursuivi l'agrandissement de notre parc de mobilité urbaine et l'aménagement des arrêts publics. Dans son discours adressé aux travaux de cette session ordinaire du Conseil de communauté, le délégué du gouvernement a salué le niveau des recettes de son institution, indiquant que celle-ci a relevé le niveau des recettes et encadré rigoureusement les dépenses. Nos services ont fait du bon travail. C'est ainsi que, sans l'apport extérieur, le recouvrement de nos recettes pourra atteindre des proportions appréciables. Bien entendu, nous apprécions la collaboration des maires des communes d'arrondissement et celle de l'ensemble des conseillers qui n'hésitent pas à nous appuyer dans nos actions. C'est grâce à cette synergie et à cet engagement collectif que nous pourrons relever les nombreux défis qui se mettent sur notre chemin. L'année 2019 est à mi-parcours du second semestre et les échéances devront présenter leur tableau, notamment au sujet de la police municipale.
Et l'exécutif communal de Douala 5e continue de discuter avec les populations habitant cette commune. Objectif des dites discussions engagées depuis plusieurs semaines déjà, toucher les problèmes de ces populations. Cap a été mis hier sur le quartier Bépanda, situé bien sûr dans l'arrondissement de Douala 5e, et Narcisse Moto était sur le terrain. Même si d'entrée, la sortie de l'exécutif communal est justifiée en ce sens qu'il s'agit d'une visite de travail avec les chefs du quartier et village, certains de ses auxiliaires de l'administration préfèrent anticiper sur l'avenir en rassurant le premier magistrat qu'il peut compter sur leur voix. C'est le cas du chef du quartier Bépandavouri. Vous pouvez, monsieur le maire, rester tranquille, dormir dans vos deux oreillers. À la prochaine échéance électorale. On vous a vu à l'œuvre, on vous a vu travailler. L'occasion faisant le larron, les populations de Bépanda Bonuanda, bien que reconnaissant les bonnes œuvres réalisées jusqu'ici par l'exécutif communal actuel, en demandent davantage. Nous enregistrons constamment des accidents mortels à cause d'excès de vitesse. Déclarage physique sur toutes les voies, etc. L'hôte des circonstances prêche pour l'occasion le culte de la patience et de l'union. Pour lui, le développement efficace passe par la volonté des populations à s'unir. Dans la même veine, il ne s'éloigne pas de sa responsabilité. Nous avons bel espoir qu'avec la décentralisation accélérée voulue par le président de la République, qui donnera des moyens conséquents aux mairies pour pouvoir subvenir aux besoins de population à la base, nous devons commencer à nous organiser. Comme de tradition, du matériel d'hygiène et de salubrité a été remis aux membres à la suite de leur installation officielle. De l'animation pour terminer en beauté cette autre descente sur le terrain. Et puis l'Assemblée générale annuelle 2018 de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun a eu lieu ce 10 mai à Douala. Une occasion de faire le point de l'évolution de ce métier au regard des changements, notamment les nouveaux tests SMAC. Je vous propose d'écouter le président de l'Ordre, Joseph Vondon Vondon, et Jacques-Pierre Bonan. Ils s'expriment tous deux au micro de Spectrum Télévision. Sur les résolutions qui ont été prises, c'est de continuer à renforcer le métier de conseil fiscal pour préparer l'avenir des jeunes, parce que nous travaillons beaucoup plus pour les jeunes, et de faire en sorte que la collaboration avec la SMAC s'intensifie, pour qu'il n'y ait plus de malentendus quand il y a un document, que le document soit mutualisé pour que les gens donnent leur avis. Même si notre avis ne lie pas la SMAC, mais on a quand même le droit de donner un avis sur un métier qui nous concerne, qui concerne nos jeunes frères. Sensibiliser la tutelle pour qu'elle ressaisisse la commission CEMAC pour revoir certaines dispositions de ce texte. Le texte n'est pas globalement mauvais, mais il y a deux ou trois dispositions qui mettent en péril l'avenir de la profession, surtout pour les jeunes dont nous avons passé du temps à sensibiliser pour les intéresser à la profession. En religion à présent, vous le savez, nous sommes en plein dans le mois du jeûne de Ramadan et ce soir, un aspect particulier nous intéresse. Quels sont les chrétiens musulmans, quels sont les musulmans, je vous demande pardon, qui sont habilités à jeûner? Oriane Danquin répond à cette question dans le reportage qui va suivre. Le jeûne est un moment de prière, de partage, de pardon et également de privation. Bien qu'étant obligatoire à tout musulman, l'on note qu'il existe des exceptions que l'on peut mettre dans deux grands groupes. Ceux qui ne peuvent plus jeûner. Vous avez des vieillards et des malades chroniques, dont pour eux la famine est interdite. Ces personnes, bien qu'ils soient des personnes conscientes, parce que si le malade mental, qui est appelé un aliéné mental, fou régulièrement, il ne jeûne pas et il n'a pas à payer non plus, et il n'a pas de mesures compensatoires, non, rien du tout. Mais par contre, des personnes bien sensées, en état de maladie, et qui sont tenues à ne plus jamais jeûner, sont appelées à nourrir un pauvre chaque jour de jeûne. Et ils le feront ainsi pendant les 30 jours.
et ce serait ainsi leur façon de jeûner. Ceux qui peuvent suspendre et compenser plus tard. Mais quant maintenant au deuxième groupe, il s'agit des personnes dont on leur autorise, Dieu les autorise, d'interrompre le carême et de pouvoir rembourser, comme on dit, jeûner par le nombre de jours interrompus durant le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan. Il s'agirait ainsi des femmes enceintes ou qui ont accouché et qui allaitent, des femmes menstruées. Il s'agit aussi des personnes en voyage. C'est-à-dire que lorsque vous quittez Douala pour aller à Yaoundé ou pour aller à Edeya, ça s'appelle déjà un voyage. Quel qu'en soit le mode de transport, ça s'appelle un voyage. Selon le Coran, vous ne devriez pas jeûner. Et pourquoi ce dernier cas ne devrait-il pas jeûner? Parce qu'en fait, il devrait nourrir son corps avant le voyage et même parfois pendant le voyage. Et qu'en cas de choc, il faut qu'il y ait un corps fort pour pouvoir aider le secours et sa survie. Mais en cas d'accident, que nous ne souhaitons pas, si le choc retrouve un corps affaibli, la mort s'ensuit. Ne remets pas le tort à Dieu, parce que Dieu ne fait pas de peine à ses créatures, il voudrait plutôt le bonheur. C'est pour ça qu'il t'a dit, ne jeûne pas, puisque tu devrais faire un voyage. Nourris-toi. Et qu'après le mois de Ramadan, tu compteras le nombre de jours passés dans ton voyage. À ceci donc, l'on peut associer les personnes qui sont alitées pour quelques jours. Celles sous traitement devront juste adapter les prises de médicaments aux heures de repas. Par ailleurs, il est recommandé aux personnes d'un certain âge de toujours surveiller des paramètres tels que la glycémie ou encore la tension artérielle avant le début du Ramadan. Out of the country, the ongoing protest in Sudan has focused mainly on political reforms and a demand for civilian rule. But traders in the capital Khartoum, sister of long-time President Omar el-Bashir, also boosts the economy, which has labored for years under shortages as well as sanctions. Details with the VOA. Under Sudan's former president Omar al-Bashir was not easy for jeweler Hamid Ahmed, who struggled to put food on the table for his family's 7 children. With the cost of living under food and fuel shortages and 70% inflation sparked a revolution that removed Bashir from power and raised hopes for economic change. As Sudanese people say, the air came. I feel better now because we can work without anyone against us. Before Sudan's military ousted Bashir on April 11th, traders in Khartoum's central market, Souk Arabi, were stressed by economic problems, but also lived in fear of the secret police. Before the revolution, there was no cash money, no freedom of speech, and we didn't have rights. We were afraid to talk about politics. Bashir's removal and ongoing protests for civilian rule have inspired the people of Sudan and raised new hopes for traders like Ahmed. The prices have improved now. I hope this market will keep improving after the revolution. The fruits of Sudan's revolution include billions of dollars in aid from the Middle East and the chance that the United States could lift a state sponsor of terrorism label, freeing access to loans. Since Bashir's ouster, the Sudanese pound has nearly doubled in value in black market trading against the US dollar. But while Sudanese jeweler Ahmed looks forward to better sales, like the protesters, he also hopes for a civilian-led government and a better future for his children. Ruth Almendorp for VOA News, Khartoum. And that does it for this edition of the Primetime Balingua Newscast on STV. We thank you very much for your kind attention. Take the rendezvous tomorrow, same time, for the weekend Balingua News Edition. From us, good night. Good night, Lila. Bonsoir à vous, Peter Saucier, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end.